Kikou tout le monde, Kimoman ici. Allez, on va venir chez moi. Cela fait 6 semaines maintenant que Turner est mort et que j'ai été promu. C'est Noël. Nous nous enfonçons dans la forêt des Ardennes en Belgique. Il fait tellement froid qu'on pisse des glaçons. Ça va être une putain de bataille. Allez, on va faire honneur. Sans Je vais Turner, mourir. on n'avait plus de protecteur. Paul, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez nous en héros. Maintenant que Pearson commande, je risque de ne jamais rentrer. Surtout qu'on voit qui joue. Joyeux Noël, Turner. Au fait, Turner, Pearson a nommé le petit Pecno caporal. Je me demande ce que vous en auriez pensé. Sans doute que t'es toujours un gros salopard, Ayello. C'est pas le moment, les gars. J'ai l'impression qu'il y a un d'eux qui va le tuer, Peterson. Quel sacré vénard, hein. J'ai juste l'impression. Il faut toujours qu'il soit le premier. C'est ça, continue à me jeter. Ouais, profitez-en ce soir, parce que demain, quand le convoi va passer, c'est vous qui serez sur le front pour le protéger. Et Turner sera pas là pour vous défendre. Du calme. Du calme. T'es caporal maintenant, hein. J'espère que t'es plus doué pour donner des ordres. Vas-y. Je peux savoir ce que t'attends. Eh, j'en étais sûr. Il vaut pas la, même pas la peine, en fait. J'ai servi 6 ans avec cet homme. 6 ans. Joyeux putain de Noël. Le convoi est là et nous devons nous assurer qu'il atteigne le Rhin sans encombre. Et maintenant, on doit aussi survivre à ce froid glacial. En fait, c'est le seul moment qui faisait extrêmement froid et qui neigeait énormément. Belgique. Côté Belgique. Côté Belgique. Il les a piqués. C'est carrément dedans. Si personne était mon radin sur les réquisitions, j'aurais pas. Maintenant, j'ai froid maintenant en les regardant. Pas de soucis. Elle lui servait plus à rien de toute façon. Il est où le campagnard que je connais? Si tu le vois, fais-moi signe. Sacré Noël. Les gars. Ah ouais. On doit rester au coin du feu avec ma petite femme, alors que je peux me geler le cul ici avec une bande de nazes. Oh merde, on approche. Ayello, reprends la mitrailleuse. Oui, sergent. Sergent, pas de manteau ou de couverture en rab? Vous avez tout ce qu'il vous faut. La tranchée est à morfée toute la nuit. Prends des munitions, tu vas les ravitailler. Si je prends ces munitions, Ayello va se retrouver à sec. Alors il va falloir faire en sorte que chaque balle fasse mouche. Ils sont où? Oui, ça j'ai compris. J'ai des munitions, les gars. Regardez, un vrai Nicolas. Jette ça sous votre sapin. Quel sapin? Un sapin? Ah bah oui, un sapin. Tu nous as apporté quoi? Du chocolat? Des chaussettes sèches? Mais, des bosses sur la colline, à 12h! Enrayé! Daniels, butez! Oh, raté. Gagné. Cherchez-en d'autres. En voilà un autre. Beau tir, Daniels. Ce poche-là ne rentrera pas. Mais comment ils font pour passer la 88e? Tu devrais aller à la tente de commandement. Davis, qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Eh ben, ça promet. Je peux avoir plus de kits de soins, non? Non, pas envie. Ouais, mais je te demande de sprinter. Oh, comment? Perso, ce nouveau Winter est plus rapide que toi. Eh, hey, caporal. Et j'ai pas de mouvement. J'ai une surprise pour toi. Voici Howard. Ravi de faire votre connaissance. Désolé, je ne sais pas. Travailler avec un ingénieur hors pair. Howard était dans la compagnie qui a pris la crête. C'est dingue qu'il les laisse se battre. Bien sûr. Il nous laisserait mourir. Bon. Quand le convoi va passer, les Boches vont tout balancer. On n'attendait pas des réservistes? C'est nous les réservistes. Sergent, on devrait demander un renfort aérien. Regardez ça. Daniel vient de se souvenir qu'il était au fond. La radio est réparée. Ouais, vous faites pas trop d'illusions. Ils ne savent plus où donner de la tête. Et n'empêche, c'est pas évident de jouer ce jeu étant une femme avec quelqu'un comme Patterson. Il ne reste plus qu'à les escorter jusqu'au Rhin. Ouais, en espérant qu'il reste un peu. Quoi, ça vibre? Attention! Patterson, on te l'a dit, mais tu ne voulais pas nous croire. Hein. Daniel, on bouge! Fishman! Je suis! Plein de trous et tu devais te mettre dessus là. Mais tu baisses la tête, oui. On dirait que c'est fini. Ça va? Ouais, je crois. La voie est libre. Ils essaient de nous fatiguer avant l'attaque. On doit retrouver. Non! Oh, come on. Vraiment, je dois retrouver lui. Pas juste le laisser mignon. Les blindés des Boches arrivent, ils sont franchis nos lignes. Il y a une radio dans notre ancien PC. Couvrez-moi, le temps que je la mette en marche. Ce PC est trop proche de l'ennemi. Hé, hey, c'est caporal maintenant, bordel, alors agis comme tel. Vous pouvez pas nous demander d'y aller avec lui. C'est du Queen. C'est ah, si tu le dis. Hé, hey, j'étais sous-officier. J'ai renoncé à mes galons. Faut qu'on bouge. Mais t'as renoncé tes galons, quoi. C'est bon, à l'envers. Je vais te mettre mon plein dans la gueule. Hey. Ouais, te frapper un bon coup. Faut pas partir dans l'autre sens. Je dis ça, je dis rien. Soldats ennemis, ils viennent des bois. Il faut atteindre la radio. La radio. Quoi? Ça va me prendre un peu de temps. Retenez. Comme si c'est. Facile à dire pour toi. Protégez Howard. Surveillez les armes. Proche, on approche. Couvrez-moi. Merde. Merde. Quoi? On va se faire dégonner. On est dégonnés. Daniel, j'ai besoin de grenade. Howard, dépêchez-vous. Foutu machine. Moi aussi, on me tire dessus, hein. Bon. J'espère que la radio marche pas. Urgh, come on. Il n'y a pas un système de pelle. On va se faire dégonner. Je fais pas honneur à la Belgique, là. Hein. Mais... Moi ça me dérange pas, hein. Mais bon, ils arrivent à me tirer à vraiment des endroits qui me... Qui... J'espère que la radio marche pas. Envoie une grenade. On tire dessus.
5 secondes de répit. J'espère que la radio marche pas. La radio est réparée. Salut, mec. Au revoir, ma mère. Parfait, elle marche. Demande ça plus rien. Ah, c'est moi qui dois le faire, tu le répètes. Ici Dagwood, White 5. Je demande un soutien aérien. À vous. Bien reçu, Dagwood, White 5. Nos avions sont en mission de bombardement. Heure de retour inconnue. À vous. 509, ici le QG. On a une demande de soutien aérien d'urgence. Ramenez votre escadrille. Ah non. La cible atteinte. Oh non. Les bombardiers ne risqueront plus rien. Changement de cap. Nous sommes à 3 minutes de la cible. Protégeons les bombardiers. On a des tirs anti-aériens devant nous. Manœuvre d'esquive. En formation, restez près des bombardiers. Oh non. Non. Surtout pas. On se place vers l'avant du groupe de vol. Aidez-moi à voir sur bas. Battlefield, ça aurait été comique. Ah. Avant dans une vidéo, tu touches la manette avec. Ah, ah non, oh. Eh bien là, t'as envie de... Voilà, tu as envie. À vous. Yes. Il est en feu. Voilà. Tant pis pour toi. Aussi, je suis touché. On peut pas râler. Yes. À combien comme ça? Ah, ben j'ai une carte. Ok. On a été touché. Les commandes ne répondent plus. Tu vas mourir, oui. Pas encore? C'est une blague? Vas-y donc, il résiste, hein. Bon, voilà. C'est bon? Et c'est plus facile que Battlefield. Il y a un DTA! Passez à gauche, poussez! Je fais quoi là? Je sais rien faire. Je vole. Ouais. On va s'écraser. On va s'écraser. Ciel dégagé. Niaou. Cible à 10 miles. Niaou. 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 Je remets ça. Ah, et là,
Bon, on voit ici les équipiers. Ils arrivent à descendre des avions, hein. Comparé à terre, ils n'arrivent pas. Il dit où ? Attention où tu voles, toi. Je suis là, moi. T'en es pas un ? Ah non, c'est tout. Bon. On approche de la cible. Laissez de la place aux bombardiers. On se tait et on se regroupe sur moi. J'ai ici 509. Escorte terminée. Prêt pour appui aérien. Bien reçu, 509. Oh non ! Je peux continuer ? Les engins blindés ennemis attaquent la 9e division. Pour une fois, blindée. J'aime bien l'avion. Rover Joe, dans un jeu. C'est Dagwood, White 5. Ils sont sur nous. Où est notre appui aérien ? En attente, Dagwood, White 5. Avion en route à 50 miles. À vous. Faut qu'on dégage de là, allez ! Allez, on doit retourner sur la ligne de front. Daniel, reste avec nous. Ouais, colle ou quoi ? Moi, je me barre, moi. Oui, je peux me soigner, oui. Oh, come on. Vraiment. Bon, tu me fais tout mon truc. Ils sont où ? Viens d'où toi ? Hé, hey, oh, oh, oh. Ah ouais, je sais comment maintenant, j'ai plus de munitions moi. Bah, je crois qu'ils sont morts, non ? Y'a pas un autre gros piou-piou ? Reviens là toi. Toujours besoin. Wow ! Hé ! On va aller, oui ? Tu vois, tu veux vraiment pas me faire mon truc, toi. Hein. Ah. Je sais pas où je dois aller, en fait. Ah. Surveillez cette lisière. Mais j'ai... Ouais, t'as dit, j'ai pas de munitions, alors on n'a pas de munitions là, quoi. Ouais, toi, t'as encore envie, toi. Non, je suis pas doué moi. Non, moi je l'avoue. Non, l'arbalète c'est pas tout le temps. Ah, j'ai eu peur.
Ah, c'est ça que je dois tuer. Comment c'est fait que je tue ça, mon tank? Un missile direct, quoi. T'es chercheuse tant que tu y es. Les avions sont... J'ai demandé les bombardiers. Maintenant tu me fais ton truc, toi. Ouais, voilà. D'où le dernier? Là-bas. Et je suis mort qu'une seule fois. Il va nous tuer, hein. Bien dans sa tête. Je suis désolé, il a dit à couvert. Tu te mets à couvert. Tout. On discute pas. J'ai les oreilles bien explosées. J'en plus, maman. Oh, Patterson, je te jure. J'ai une question. Combien de temps Pearson est aussi taré? C'est pas vraiment non ça. Il y aura sûrement une médaille pour ça. On a de la chance d'être en vie. Pour l'instant. Daniel s'emmène ses boches au traitement. Oui, sergent. Mange-toi le train. Hé, j'ai déjà vu ce regard. C'était juste avant Catherine. Il n'y a plus que nous, les gars. Oh, une main. Oh, le bras. La bande d'un bras là. Pearson était certain de nous envoyer à la mort, mais nous avons réussi à défendre le convoi, et nous sommes parvenus à repousser les ennemis. Turner aurait été fier de nous. Ça, c'est vrai. Allez, bisous.